can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Bon bah confinement égale nouvel album. Paul McCartney n'a rien perdu de sa superbe. Ah mais oui, grande inspiration. Paul McCartney nous propose son 18e album, dont le 3e en solo, puisque le premier c'est en 1970, juste après la rupture des Beatles. C'est une période difficile pour lui, il s'isole et il écrit ce premier album totalement en solo, McCartney 1. Il y aura le 2 en 1980 et puis McCartney 3 aujourd'hui, 2020. Alors la spécificité, c'est qu'il a écrit les chansons, il a composé les musiques, il joue tous les instruments et il produit dans sa ferme, en solo, confiné, comme forcément, comme tout le monde. Donc comme quoi, le Covid et 78 ans, eh bien, parfois, ce sont de belles surprises. Ouais, et puis alors, le confinement, bah, c'est Paul McCartney, et puis c'est aussi Damien Robitaille, dans un style très différent. Absolument. Alors là, lui, il fait le buzz sur Twitter. C'est un multi-instrumentiste. Il est franco-ontarien et il rejoue des grands succès mondiaux. Catherine François l'a rencontré pour nous et elle fait son portrait. Regardez. Qui ne connaît pas cette chanson ? Damien Robitaille l'interprète dans cette vidéo qui a été vue plus de 10 millions de fois sur Twitter. Un succès monstre qui a surpris l'artiste franco-ontarien. Je savais que Pump Up the Jam allait avoir un petit succès, mais pas. Mais j'étais quand même surpris de l'ampleur que ça a pris et que ça continue à prendre parce que là, ça n'arrête pas. Depuis mars, Damien Robitaille a mis en ligne plus d'une centaine de vidéos dans lesquelles il reprend des grands succès connus. Il s'amuse à se déguiser et peut aussi jouer de plusieurs instruments. Il conçoit le tout seul, avec son téléphone intelligent. Ça me prend entre 5 et 8 heures pour apprendre la chanson, monter. C'est les habits, les cheveux, la lumière avec la caméra, une mise en scène aussi. Trouver des arrangements. De fil en aiguille, de tweet en retweet, le nombre de visionnements n'a cessé d'augmenter et les commentaires d'affluer d'un peu partout dans le monde. L'artiste a même reçu les félicitations du premier ministre québécois, François Legault, qui le remercie de nous offrir ces petits moments de plaisir. Cette année difficile, les gens, ils veulent pas de la tristesse, ils veulent de la joie, ils veulent être divertis. C'est une thérapie pour passer à travers ces moments difficiles et ça aide les gens. Ce projet a aussi permis à Damien de canaliser son énergie créatrice et de compenser le vide provoqué par l'épidémie dans sa vie d'artiste. C'est l'art de se réinventer, vraiment. J'étais en mode survie. Ce projet offre une visibilité incroyable à cet auteur-compositeur qui, depuis 15 ans, ne chantait que ses chansons en français. Ces vidéos ne lui rapportent rien, mais elles lui ouvrent des portes, même si Damien ne sait pas sur quoi cela débouchera au sortir de l'épidémie. En attendant... J'ai plein d'amour à donner, j'ai plein d'amour. Il va continuer à nous en donner de l'amour. Et ces vidéos sont un baume à appliquer sans modération pour soigner notre blues de confiné. I love you. I love you. Bon, bah, ça, c'est le bon côté du confinement, oui, de la pandémie. Mais il faut quand même reconnaître que, oui, les mauvaises nouvelles continuent à s'accumuler. Hein. Absolument. Alors, la Berlinale, le grand rendez-vous du cinéma mondial à Berlin, eh bien, il était prévu mi-février. Il est reporté au mois de mars. Le jury va se réunir en petit comité à Berlin. Mais il faudra attendre l'été pour la grande fête, les marches, la remise des prix, les lauréats, toute la fête, quoi. Voilà. Mm-hmm.
Bon, ben rendez-vous pour la Berlinale cet été. Rendez-vous avec vous demain. Absolument, moi je serai là. Avec plaisir, Pascal.